nous, c'est Chantal. Fait que c'est juste pour contenter le voyeurisme, hein, parce qu'il y a toutes sortes de voyeurisme. C'est sûr que rire des autres, ça, c'est vraiment out. J'ai dit, bon, ben, tant qu'à y être, tiens, la Québécoise, je suis à la province de Québec, au Canada. Ça, c'est le pays, ça s'appelle Canada ici. Ici, c'est le Canada, OK? C-A-N-A-D-A. C'est bien, bien facile à écrire. Tu fais un C comme ça. Complète pas le cercle C, OK? Après, tu fais A, comme la tente d'Indien, comme ça, OK? Le tipi. Après, tu fais le N. Tu montes, tu t'en vas en diagonale, puis tu remontes. Les jeux vidéo, c'est très important. Après ça, ça fait can. Là, on fait un autre tipi d'Indien. A. Une tente. Il fallait faire du camping. Comme ça. Ça fait cana. OK? Puis ici, le D, là pour l'instant, c'est de la majuscule. OK? Fais ta demi-lune. Comme ça, une ligne droite. Comme ça. Là, c'est comme tu veux. Laisse faire là, par là ou par là. D. Puis, un autre tente pour aller faire du camping. Tiens. Comme ça. Ça fait Canada. Puis ça, c'est le nom du pays. Puis ça, c'est de la façon qu'on l'écrit. J'ai soufflé à pas grand-chose, hein, puis je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le stress. Je suis en stress post-traumatique. J'ai reçu une fenêtre sur la tête. C'est un accident. On dit c'est important de prendre le temps de tout vérifier les choses pour pas qu'il arrive d'accident. Donc, au fur et à mesure, il y a une usure. Hein? L'usure existe. Donc, l'usure existe du matériel, de la maison, de l'appartement, puis de l'humain aussi, OK? Là, je reviens, j'avais parlé sur un autre vidéo, là, des attaques cardiaques, OK? J'ai deux noms, moi, pour ça. J'ai, tiens, parce que je suis dans ma boîte en maquillage, OK? Donc, il y a attaque cardiaque, ça, c'est moi qui parle comme ça. Attaque cardiaque, ça, c'est du fond de teint en poudre, OK? Puis, il y a crise cardiaque, OK? Puis, on peut rajouter aussi ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, OK? Ça peut être un caillot, ça peut être un épaississement de gras qui fait que le sang passe pas très bien. Ça peut être un rétrécissement du boyau, dépendamment de la région du corps. Mais le but, c'était le voyeurisme que j'avais dit. Attends un petit peu. Fait que ça, je vais tourner ça. Tiens. Bon. C'est ça que tu veux voir, hein, toi? Ici. Comme ça. Tiens. Coucou! et voilà. Fait que j'étais en train de me maquiller. Bon, c'est juste là, t'as appris comment écrire Canada. C'est le nom de mon pays. Je parle en français présentement. Puis je peux faire un peu comme parler, puis faire un peu du rap, là. J'ai 54 ans, OK? Je suis une femme. Je suis née femme, parce que maintenant, on le dit. Je suis née féminine. Je suis née fille. Puis j'ai jamais fait retoucher mon corps de transformation de quoi que ce soit. Juste du maquillage. Tiens, ça, c'est le fun, hein? Fait que moi, j'utilise ça, du fond de teint, c'est pas une compagnie, c'est juste pour le voyeurisme, c'est pour apprendre à parler en français aussi. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Fait que là, je suis en train d'appliquer sur Make Application. OK, je suis juste en train d'appliquer le fond de teint comme ça. C'est pas une publicité, puis c'est pas un cours non plus, c'est pour parler en français. Parce que j'avais mis blanc comme ça, mais ça, quand je mets le... Attends, il y a un nom dessus qui est assez le fun, là. Ça prend absolument des lunettes. Pas capable de lire. Ça me prend glasses. Lunettes. L-U-N-E, comme lune. Lune. T-T-E, lunettes. Bon, je vais te dire comment il s'appelle, là. Foundation Health. Health, je pense, ça veut dire quelque chose. Bon, il s'appelle Albatre, celui-là. Puis, c'est écrit sur le bouchon. Ça, c'est bouchon. B-O-U-C-H-O-N. Bouchon. C'est facile à écrire, ça aussi.
une brassière de côté. B, O, U, comme un sourire. Bouchon. C, comme le ton hockey. OK, c'est H, O, M. Bouchon. OK? Bon. Ça, je peux le faire à la vidéo, là. C'est le fun. Bon. Fait que l'application, moi, je vérifierai tantôt, là. Genre avec des grosses touffes, là, des grosses pantoufles, là, de sourcils. En ont tombé beaucoup depuis que je suis après des ondes électromagnétiques. Je pense que ça fait perdre les cheveux, puis ça fait perdre aussi les sourcils. Fait que j'en rajoute là. Je rajoute ça. Parce que là, je vois rien. Je vois vraiment pas grand-chose. Un autre petit coup, hein? Un autre petit coup de voyeurisme. C'est ça ici, tu le vois. Fait que c'est mes marionnettes. Fait que ce monsieur est trop bloqué. On a beaucoup des monsieur bloqués. Là, j'avais parlé de. Qu'est-ce que j'avais parlé déjà qui était assez important? Cathet, OK? Ça, faut que tu ailles voir là, avec les spécialistes ou avec les. Comment on dit ça? À la bibliothèque. Faut aimer lire. Faut aller s'informer, OK? Fait que la marionnette pour les monsieur. Bonjour, bonjour monsieur, comment ça va ce matin? OK, on l'utilise. Il y a Martin Matt qui est assez comique dans ça. Okay? Puis il faut pas juger, puis faut jamais juger. OK, ça, le jugement, j'aime vraiment pas ça. Fait que on continue à tout âge jusqu'à la fin de sa vie. On continue avec nos marionnettes, OK? Puis on continue aussi à jouer pour apprendre, que ce soit français, anglais, espagnol. Allemand, égyptien, mandarin, arabe ou bien anglais, je l'ai nommé. Ou en tout cas, il y en a plein de langues qu'il faut apprendre. Okay? Donc, on continue des jeux de rôle. On peut être avec d'autres personnes, mais là, je ne vais pas monopoliser et dire, genre, à quelqu'un, un ami, viens, on va jouer à faire. Donc, le jeu de la marionnette est intéressant avec la vidéo, comme ça, c'est aussi très intéressant pour apprendre tout au long de sa vie, puis pour communiquer aussi. Finalement, ce que j'ai besoin juste de quelqu'un qui ferait des téléphones pour moi, pour dire, avez-vous comme un studio à louer, êtes-vous un bon propriétaire? Pas parce que ceux-ci sont pas bons, mais c'est pas ce que ça me prend, c'est trop proche de la centrale Frontenac. C'est-tu Frontenac, son nom? Frontenac, tu vas t'en souvenir. Y a-t-il quelqu'un qui a déboulé puis qui est arrivé bading badang dans la porte? Il n'y en avait pas de porte dans ma garderie. C'est pas chez moi, c'est arrivé. Salut! Viens à cette date-là.